6 ans et 2 jours, il en a fallu du temps pour mener la mission à bien. La sonde japonaise Hayabusa 2 a renvoyé sur Terre le 5 décembre une capsule contenant des échantillons du sol de l'astéroïde Ryugu. Ce vieux caillou de 4 milliards d'années et demie va nous renseigner sur l'histoire de notre système solaire. La capsule s'est posée dans le désert australien et a été immédiatement récupérée par les équipes japonaises qui se trouvaient sur place. Elle est en bon état et s'est révélée parfaitement étanche. À l'intérieur, les scientifiques espèrent trouver environ 1/10 de gramme de poussière de Ryugu. Hayabusa 2 a été lancé le 3 décembre 2014 pour aller se mettre en orbite autour de Ryugu, un astéroïde en forme de prisme de moins d'un kilomètre de diamètre. Celui-ci a été choisi parce que sa composition est semblable à celle de 75% des astéroïdes. En étudiant Ryugu, on connaîtra tous les astéroïdes carbonés. En juin 2018, débute la mission autour de Ryugu à 200 millions de kilomètres de la Terre. À 2 reprises, Hayabusa 2 s'approche de l'astéroïde pour récupérer des échantillons de sol. Dans le second cas, ce sera après avoir créé un cratère artificiel par l'envoi d'un projectile sur l'astéroïde. Depuis 1 an, Hayabusa 2 a quitté Ryugu. Après avoir largué sa précieuse cargaison, la sonde va se diriger vers un autre astéroïde qu'elle atteindra en 2031.